Vous êtes sur RTL. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon. Il était né à Paris le 24 février 1932, donc Michel Legrand nous a quittés, on l'a appris il y a maintenant 45 minutes, il avait 86 ans, immense compositeur de musique, passionné de cinéma. Vincent Perrault nous raconte tout avec sa passion, évidemment, depuis tout à l'heure. C'est quoi ce qu'on entend là, Vincent? Alors là, c'est la chanson The Windmills of Your Mind, c'est la chanson de la bande originale du film L'affaire Thomas Crown avec Faye Dunaway et Steve McQueen. C'est une période très stratégique dans la carrière de Michel Legrand, puisque c'est le moment où il arrive aux États-Unis pour tenter une carrière américaine après avoir dit « j'ai un petit peu fait le tour en France avec toutes les musiques de la nouvelle vague ». Il avait envie de tenter ça, donc il a quitté la France. Il a fait 2-3 films et tout d'un coup, ce film de Norman Jewison lui vaut un Oscar de la meilleure musique, un Oscar de la meilleure chanson avec Alan et Marilyn Bergman. Ça lui donne tout d'un coup une renommée internationale extrêmement forte. Il va revenir des États-Unis assez rapidement, mais avec évidemment des propositions à l'appel et une dimension tout d'un coup internationale. Et c'est quelque chose d'important, puisque si c'est le moment où il quitte la France, ça voulait dire qu'il laissait aussi beaucoup de réalisateurs un petit peu sur leur faim de ne plus pouvoir avoir des musiques, et ça a laissé un petit peu de place à d'autres, et notamment au grand compositeur Vladimir Kosma, qui à cette époque-là le connaissait très très bien. Voilà, Vladimir Kosma, à qui vous avez appris la nouvelle il y a quelques minutes et qui nous fait la gentillesse, extrême gentillesse, d'être en direct avec nous à 8h42. Bonjour. Bonjour. Bah écoutez, vous m'annoncez la mort de Legrand. J'arrive pas à le croire, et pour moi, il est pas mort. Ouais. Il n'est pas mort, il sera jamais mort. Pour moi ou pour les amateurs de musique, il est immortel de par sa musique et sa personnalité aussi, qui était tout à fait hors du commun. D'ailleurs, je sais qu'il était depuis quelque temps malade, mais il y avait, avec son énergie et son caractère, il se laissait pas, et on a l'impression chaque fois il se remettait, chaque fois il remontait sur scène, il écrivait, etc. On se disait, mais il est de toute façon là pour toujours, et il est pour moi toujours vivant. C'est la référence pour vous, Michel Legrand, Vladimir Kosma? C'est une des références, c'est pas la seule référence, mais c'est une référence très 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 importante. Mmh. D'ailleurs, pour tous les, pour nous les compositeurs qui faisons de la musique, entre la musique classique, la musique de jazz, la musique de variété, c'était peut-être le premier qui a donné les titres de noblesse aux arrangements dans la musique de variété, dans la chanson. Ouais, là. Si vous voulez, sous sa plume, les arrangements qu'il avait faits quand il était jeune, I Love Paris, les arrangements qu'il avait faits pour Maurice Chevalier, pour Henri Salvador, tout ça, c'est des chefs-d'œuvre. C'est pas des arrangements comme les arrangements, un habillage quelconque. C'est de la musique, quoi. C'est de la grande musique. Vladimir, moi, j'ai souvenir que vous m'avez souvent dit que c'était un des compositeurs pour lesquels vous aviez en tout cas le plus de respect et même, je crois, une certaine admiration. Oui, bien sûr. Vous savez, quand je suis venu en France, il y avait 3-4 personnes que je voulais rencontrer, que j'appréciais. D'abord, il y avait Nadia Boulanger, évidemment, avec laquelle j'ai travaillé. Il y avait Michel Legrand, que je voulais absolument rencontrer et puis avoir son avis sur ma musique et puis éventuellement pouvoir travailler avec lui. Et 2 autres que je ne citerai pas parce que c'est pas le moment. Mais Vladimir Kosma, vous mettiez tout à l'heure en avant sa joie de vivre. Sa joie de vivre, oui, c'est cette espèce de d'inconscient juvénile, si vous voulez, qu'il avait toujours, même maintenant. Parler avec lui, on dirait que la vie commence. Ouais, c'était une sorte de personne qui ne voulait pas, qui voulait pas croire aux vérités terre à terre. Et dans ce sens, je me disais, mais il va jamais se laisser abattre. Merci d'avoir réagi ce matin donc sur RTL, Vladimir Kosma. On vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous.